Alors, ouais, je vais vous faire regarder. Je vais être sympa, je vais pousser jusqu'à 1h15. Pour ça, on aura 3 VOD. On va continuer notre guerre contre dans le sud, contre Chichin et les anciens alliés de la coalition. Et au nord, on doit faire face à un Gonsunzu assez vénère. Notre vassal Mada est en train de mourir. Faut dire ce qu'il est, il est en train de mourir. Et bon, c'est pas encore la joie, mais on va essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte. Donc, déjà, ce que je vais faire, l'armée de ici, je vais la redéployer sur un front prioritaire. Là, ça sert à rien qu'elle regarde cette armée-là. Elle fait de la déco. Et ça nous fera gagner de l'argent. Que voulez-vous savoir? Donc voilà. Est-ce que je ne rendrai pas Danyang aussi à Cao Cao? Comme ça, peut-être que ça ferait. Ça continuera d'améliorer nos relations. On va tenter. Si tu réussis à prendre le couloir montagneux. Genre Shanyong, ouais, et Hanzong, ça serait pas mal, effectivement, debout. Alors, je lui donne tout de suite la commanderie que je veux me débarrasser. La mine de sel debout. Je vais lui réclamer plein de pognon. Genre 5 000, pour voir si ça s'accepterait. Vas-y, t'as un petit point pour toi. Alors 23. Si je lui donne 23 500. 23 600. Allez. 23 700. Cela augure de bonnes choses pour notre avenir. Que pourriez-vous bien avoir à dire à l'empereur? Alors. Il ne voudra jamais la Confédération. Il ne voudra pas non plus. Qu'est-ce qu'il nous reproche? Donc là, il faut faire gaffe que ça se dégrade avec ça. Il faudra faire attention à ça. Donc là, on va redéployer déjà cette armée ici. Au prochain tour, il va commencer à avoir de l'usure. C'est cool. Toi, Saopi. Il n'y a rien là, c'est bien. Et là, on va aller foncer à Changsha avec cette armée. Le peuple ne sera pas réduit au silence. Ainsi, voilà, on récupère un port. Alors, comment ça se fait que ça va pas? Distribution de nourriture. Il y a du commerce, effectivement. Le salon de thé, je vais le garder. On pourrait voir un petit potentiel industriel ici avec l'atelier d'État. Voilà, on regagne pas mal de sous grâce à le truc de corruption qui se calme. Nos lames ne font qu'un. C'est une défaite de justesse encore. Frappons ensemble. Bah là, Loubou, j'ai 3 armées au sud, enfin 4 avec celle-là aussi. Celle-là, elle garde juste la frontière pour l'instant, donc pas trop d'inquiétude. Là, j'ai une armée qui garde ici. J'ai le col de jamming à améliorer, tu me diras. Je vais juste. Là, je prends un riz, j'améliore d'un coup le col pour être tranquille. Au moins, mon col ici, il sera blindé en cas d'attaque. J'ai entendu que les défenses de col, ça a l'air d'être assez simple sur le papier. Mais bon, on se méfie quand même. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, effectivement, ça fait 2. Donc là, j'aimerais vraiment paraître Sissi pour arriver là, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai peur que Lao Yong, bah, on n'y arrive pas, quoi. Après, il a encore des bases quelque part, Gonsunzan, ça, donc ça nous laisse un petit avantage. Cette armée-là. Je vais faire un temple ici. Non, pas le temple. L'infrastructure militaire sera plus pertinente pour l'ordre public. Je vais redéployer l'armée de Mayunu ailleurs.
vitesse. Je me découvre pas trop non plus. La prudence est une habileté. Voilà, on regagne de l'argent, c'est plutôt pas mal. Et en vrai, je pourrais déployer des armées dans le col de Cui, là. Hein. Je suis en train d'y réfléchir. D'ailleurs, prochaine réforme, c'est pourtant 3 tours. Ok, on a encore le temps. On va accumuler un peu d'argent. Ah bah attends, justement, en parlant de ça. On va se faire une petite bataille ici. Ouais, c'est ce que j'avais compris, Loubou, pour l'effort. Après, déployer des armées là-bas, je trouve que c'est pas un mauvais plan, d'un certain point de vue. Putain, c'est que ça. Bon, bah, attends, tu vas voir. De toute façon, l'armée de l'impératrice aussi, on va devoir la redéployer. Ils sont nombreux, mais je pense que ça peut passer. Non, 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 tirez pas, vous allez me foutre le feu à la forêt, vous allez me faire du dégât. Vous m'avez déjà fait le tour, les idiots du village. Merci. Donc là, au prochain tour, je vais rechercher les deux prochaines informes, c'est le redéploiement à moins 40% là. Feu. Ouh, ça a touché là-bas. Ouais, feu. Hop, on va viser ça. Oh, le mur qui s'enflamme, ça c'est bien aussi la propagation. Ok, on va viser cette tour là tant qu'à faire. Ok, dernière salve ici. Ok, ça suffit pas là, je suppose. On va viser le capitaine d'archer en priorité, au moins on sera tranquille avec ça. Mais en vrai, foutre des administrateurs dans l'école, c'est pas déconnant. Si tu mets une sentinelle et tout, par exemple. Quand on y réfléchit. Bon, on va bombarder, hein. Oh, du dragon de perle, c'est de la cochonnerie, ça. Ouais, cool, c'est bien. On a fait pas mal de dégâts, c'est plutôt cool. J'ai commencé à avancer les arbalétriers lourds. Ah, j'en sais rien, tu diras. C'est la jungle aussi, le bout, peut-être la mousson et tout ça, tu sais. La mousson. C'est pas évident. Ah, ils ont des fumigènes, putain, ils font chier. Ça dure longtemps les fumigènes, je sais même plus. Bon, le capitaine d'archer va prendre le tarif, au moins ce sera fait. Ah, c'est chiant, toutes ces bombes fumigènes. Mais ils en ont encore combien, sérieux, des bombes? C'est pénible, ça.
Donc bah alors là vous allez clamser. Change de cible, tape-moi la mise d'archer la Fissa. Bon, c'est bien, les dragons de paire là, si ça tombe déjà, ça serait cool. Voilà, bon, déjà les dragons de perles en moins, c'est déjà ça de prix. Oh putain, il y a encore quoi qui me tire dessus? C'est la mise d'archer, ça. On va arrêter toutes ces bouffonneries, on va pilonner. Voilà. Ils se reformeront plus. Il y a le capitaine d'archer, là, attention. Putain. On va viser leurs archers montés maintenant. Ok, c'est bien. Visez-moi les archers là. Ça touchera quoi qu'il arrive. Là, si on se débarrasse du gros des tireurs, c'est fini. Hein. On va reculer à nouveau. Et maintenant, on va rentrer dans le tas. Ah, j'ai perdu une trentaine d'archers. Hein. Attention. On va rentrer en action ici. J'essaie d'aller me chercher lui, le plus faible. Et elle aussi. Comme ça, moi, tout le monde sera content. Reculez, reculez, reculez. Voilà, voilà. Bon, bah ça c'est fait. Maintenant, on va aller faire un petit coup de morale. Voilà, on va s'occuper de cette sentinelle. On va faire des cycles de charge, repli charge. Voilà, un petit moins 18 de morale. C'est toujours ça de prix. Et là, on va aller chercher avec les catafractaires ce qu'il nous faut. On va faire attention de ne pas perdre notre impératrice, ce serait con. Mais non, passe pas par là, toi. Ouf. Ouh, il y a eu du dégât, là. Allez, moins 18 de morale, comme ça tout le monde se casse. Voilà, ça c'est fait. J'aime mieux décliner. Le respect attire la loyauté. La peur dissimule la vertu a gagné en ce jour. Notre influence grandit. Allez, Guilini, c'est fini. Ça, c'est cool. On va mettre de l'effroi, lui aussi. On peut améliorer notre truc d'épices à fond, tu me diras. Voilà, on va le faire tout de suite, au moins. Alors, au niveau 4, au moins, ce sera déjà ça de prix. Donc là, Yulin, ça va vite tomber. Il va falloir lui chercher époux. Ah oui, il y a ces deux provinces-là. Oh là là, c'est une horreur en plus. Est-ce que je devrais pas rajouter un stratège ici, par curiosité? Ouais, il n'y a plus de généraux légendaires. Hein. Ils sont tous en train de clamser.
Par contre, je vais mettre de l'infrastructure militaire ici, hein, pas le choix. Donc là, Eugene continue à taper. Donc là, on a réussi notre opération. Je sais pas ce qu'il y a à Shenyang, mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite, quoi. En vrai, je pourrais utiliser l'armée de Yaoshan comme ça. Ici, déployer mes forces, passer par la mer. J'ai un accès militaire avec Cao Cao, je sais plus. J'ai dit tout ce que je souhaitais. Bon, je m'en souviens plus, mais ça reviendra. Donc Eugene ne peut pas bouger, et eux non plus. Surgissez avec résolution, et frappez fort. Bon, là, je pense qu'on a un tournant décisif dans la guerre, là, avec les victoires qu'on a. Faut juste être plus rapide que Cao Cao, quoi. En vrai, j'arriverais. Si je pouvais m'emparer du port de Laoyang, ça me mettrait bien. Je pourrais vite passer le fleuve jaune avec une ou deux armées, Izu, quoi. Le problème c'est que ce terrain là c'est une horreur franchement pour y aller. Si je fais Shenyang ici, port de Luoyang, il y a peut-être moyen d'espérer quelque chose en attaquant comme ça. Et là c'est l'armée de Qi aussi. Je vais me mettre en marche forcée, je vais essayer d'aller chercher Runan pour moi. En fait, si je fais une base d'opération en Runan, je pourrais me mettre bien, quoi, pour la reconstitution et tout. Je pense que c'est pas déconnant comme idée. Et évidemment, maintenant, ils reforment chacun une armée. Aïe, aïe, aïe. Alors, Eugene. Attaquez-les! Ah, ça commence à progresser. Nos lames ne font qu'un! À la guerre! Frappez ensemble! Je vais me mettre là en embuscade. Ouh, yeah. Attends, comment il peut lever deux? Attends, il lui reste combien de vies? Ok, ouais, ok, d'accord, qu'il en reste plusieurs à la limite, mais... Pff, ouais, bref. Servez l'intégrité. Les spawns donc derrière toi, faut que tu la prennes avant, je pense. Ah justement, si... Ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison pour le soulager, ouais. Mais en fait, ce qui me fait peur avec cette ville, c'est qu'il peut passer, là. Je pense qu'ils peuvent passer. Oh, joli. Ils ont mis une bonne raclée ici. Cao Cao, il se fait contenir. C'est Cao Cao qui a récupéré Liu Yang, attention. Oh, il abandonne Yulin complètement. D'accord, il abandonne Yulin complètement. Ah, Eugene est décédé. Je vais la remettre. À... Hop. Donc, repose en paix, Eugene. 74 ans. Hein. À moi, il fallait que ça arrive. Ceux qui s'opposent à l'harmonie doivent périr.
Je ne suis pas impitoyable. Voilà. Donc là, on va déblayer un peu ici. Alors, déjà, on va démolir tout ça. On va réparer ici. Aïe, 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 ils se mettent à deux là-bas. Après, bon, l'armée de l'impératrice est bien passée, tu me diras. Dans l'honneur. Comme ça, on en fait une grosse poussée vers le sud. Tac. L'armée de mes trois généraux là. Go. Persévérer. Non, impossible. C'est parti. À Runan, il n'y a personne. On pourrait faire une belle base d'opération. Hein. Moi, je vais en profiter là. Si ça peut rapprocher nos armées du nord, moi je dis oui tout de suite. Prêt à l'attaque. Avancez. Aux armes. Bon, prochain tour, on pourra s'en occuper. Économisez votre énergie. Exécution. Ah, attends toi. En marche. Ah, ils sont bloqués les cons. Ah là 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 là. Voilà, on va récupérer un peu d'argent avec la corruption en moins. Ah, pas forcément, Lou. Bon, on va voir, hein, mais je pense qu'ils vont pas le faire. Vie harmonieuse entre Yuan Shu et quelqu'un d'autre, j'ai vu. Alors, tour en zong. Un esprit vif permet d'éviter le plus violent des coups. Ce lieu sied à nos plans. Ça sert strictement à rien ici. Je vais faire une infrastructure militaire puisque c'est à la frontière. Voilà. Développement des terres, ce serait pas une mauvaise idée. Voilà, nouvelle réforme. Ah, il doit en avoir une bonne dizaine, Loubou. Déploiement de moins 20%, je vais le faire tout de suite, comme ça, là, navire, dragon, cargo, 5% de portée, redéploiement encore moins 20, ça fera du bien aussi. Donc je vais me mettre là en attendant, je vais me mettre en embuscade. Préparez-vous à bondir. Et l'armée d'Yaoshan ira contre-attaquer à Shanyong. Restez leste. Tuez-les. Notre victoire témoigne des faveurs du ciel. Un jour, ils nous seront reconnaissants. Alors, on a un conseil de faction ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Saboteur logistique ennemi. Portée de campagne plus 10, ça peut être utile. Yuan Shu, qu'est-ce qu'on peut te mettre? Encourager un scandale, pourquoi pas? Lui, on va le marier. Voilà. Le ministre. Ah oui, c'était Yuji, notre ministre de la justice, il est mort. Alors, public plus 2 dans toute la faction, plus 2, ouais. Allez, on va mettre... Ouais, elle va peut-être pas tarder à clamser, elle, tu me diras. Mais bon, on va essayer quand même. Il y en aura une bonne dizaine facile. Hein. Par contre, j'essaie de lui redonner une nouvelle cible, tiens. On va essayer de le rediriger. Alors, royaume de Wei. Oh, ça s'est dégradé d'un coup, j'ai pas compris. Soyez-moi redevable de déni et vous adresser la parole. Ah, il voudra pas.
23-9, hein. 23-9. Si je lui offre un échange de nourriture de... Je sais pas, moi, allez. 100. Ça suffira pas. Peut-être des auxiliaires. Ça, par exemple. Et ça. Au niveau des accessoires, ça. Ah, il nous reste plus grand-chose. Et je lui effectue un paiement de... Allez. 598. Ah oui, alors 5998. Ah, il devient gourmand là. Ils veulent le... Ça serait lequel? Non, 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 ça c'est un peu un piège à con. Bon, tant pis, on va abandonner l'idée pour l'instant. Mais au moins on sait qu'on a une base ici. Avec une armée quand même cohérente. Donc là, notre armée a souffert. Hein. Tous pour un. Voilà. Ils tombent dans notre piège. Atelier d'État. Développement des terres. Et aide du gouvernement. Voilà, on sera un peu dans le positif, on bouffe, là je suis en embuscade. Putain, mais il a combien d'armées encore, lui? Non, mais ce scandale, quoi. Repos. On va aller là avec eux. Si je levais une armée en urgence, ici. Je vais Machao en urgence. Désir, modeler vos passions. Je me suis trompé, putain. Ça c'est chiant, c'est. Je devais le mettre là, bon bref. C'est qui elle? Guan Yinping. Oh putain. La fille du. La fille de Guan Yu, d'accord. Ok. Non, j'ai mal mobilisé Machao. Oui, je l'ai démobilisé parce qu'il était tout à l'est au début, il servait à rien. Donc là, je vais le remobiliser vers le nord. Putain, il y a une armée qui va se rameuter à 3. Bah bien sûr. Bah bien sûr, putain. Putain, et là, il va en profiter. Mais quelle saleté, ce tir. Et ils vont m'attaquer à 3, putain. Ils sont que 2200, tu me diras. Enfin, que 2200. En vrai, je pense qu'il y a moyen de la bousiller. Hein. Il a la jeune lac du dragon, putain. Bon, en vrai, là, ça va. C'est l'armée principale de Guan Yuping qui va nous faire chier, quoi. Bon, ça va. L'armée vient que d'un côté, donc on a un petit espoir, on va dire. Les cataphractes, on va les mettre là. Ouais, c'est la fille, c'est dans le mode le bout. C'est avec le mode Mexem unique. Donc j'espère qu'un jour on va avoir des trucs assez cool de ce côté-là. Voilà. Feu à volonté. À l'arbalète. Là. Les archers montés.
Les déployables, j'allais partir à l'assaut sans déployables. Je pense qu'à mon avis, il y a encore des généraux légendaires qui pourraient être skinés. Hein. Après, il y a les modes qui y aident bien, bien aussi, mais il y a des trucs à moyenner sur Fukia. Je vais tout de suite aller tenter de les chercher. Et ils se barrent dans la forêt, mais c'est pas possible ça. Une stratège là, tu me diras. Putain, elle est déjà là, elle est sérieux. C'est quand même abusé, trois armées sur la gueule, quoi. Non. Alors, on va être malin. On va essayer de se... Guan Yinping, on va éviter, merci. Vous n'en avez plus pour longtemps. Toi, tu vas venir là. Voilà, trop de points de vie, hein, c'est un 5 APV. Hein. Oh, putain, il a pris cher Simaï déjà. Pff. Vous êtes trop pathétique pour survivre. Vous m'ennuyez. Ouais, je les ai mis en mode pas tirer, c'est déjà prévu ça. Bon, il y a déjà un stratège en moins, un emmerdeur de moins, c'est toujours bien. Et en plus, ils ont des dragons d'azur, putain. Par contre, on va se faire un truc tout de suite, on va aller chercher leur trèbe. Et on va capturer la tour. Toi, tu vas aller là. Vous avez fait des progrès. Prêt. À l'attaque. Prends-moi cette tour là. Allez. Aux armes. Aux armes. Il y en a dégommé une vingtaine, bon c'est déjà ça de prix. Bon, vous deux, vous allez aller là, vous allez me chercher le trèbe, fils ça. Préparez-vous. Bon bah si il crame la forêt, tant mieux. Hein. Je vais pas m'en plaindre. Comme ça. L'heure est venue. Bon, ok, la forêt elle crame. Le trèbe, bon, vite le bousiller. Allez, on va faire en sorte que le trébuchet se reforme pas, ça va être une horreur sinon. Marche rapide. Bon, on a capturé cette tour, c'est quoi ça? C'est un arbalétrier à répétition, on va aller le chercher. Continuez, c'est parfait. Il m'a l'air isolé, je sais pas pourquoi. On va commencer à tirer dans le tas là-bas. Non, non, non. Oh là là là, oh là là. Et pourquoi toi tu viens pas? Je t'ai demandé de venir depuis tout à l'heure. Ça va arbalétrer à répétition, c'est toujours une bonne chose. Oui, oui, bien. Ouais. Ah oui, le trébuchet a cramé la forêt, d'accord, je comprends mieux. Voilà, les arbalétriers à répétition, ça va tomber, ça fera toujours une unité de moins. Putain, il voit mes cataphractes sans déconner, mais...
Bon, on tape dans l'arrière-garde, tu me diras si toujours ça te prie. Il y a 4 commandants, quoi. Il y a 3 commandants, 2 sentinelles, qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça, quoi. Ils envoient quoi? Des milices. Bon, c'est pas de la grosse armée, unité de qualité non plus, donc ça va encore, quoi. Excellent! Ok, il y a déjà une autre unité en moins d'arbalétriers, c'est toujours ça de prix. On va se faire déborder là. Oh putain. Et là aussi. À moins qu'on arrive à éliminer le gros de l'armée. Et avec elle, je vais essayer d'aller chercher. Bah tiens. Et ça contourne facile. Hein. Aïe, 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 aïe. Putain. Mais ils sont où mes protecteurs des cieux là? Ils se touchent ou quoi? Toi viens là. Avec eux, on va aller tenter d'aller sauver un peu les meubles. C'est votre dernière bataille. Faites qu'elle en vaille le coup. Vos paroles sont aussi vaines que vous. On va te mettre un petit moins 100. Ah bah là, il n'y a rien, tu me diras. Ça, c'est... Bon, c'est bien. Ils sont en train, on est en train de tenir là, difficilement, mais on tient, et ça c'est le plus important. Donc là c'est bien, on a toute notre cavalerie de libre pour aller aider. Ça c'est une unité de garde impériale. Où est l'infanterie armée de Zanjaman? Reviens là toi. Que la malédiction. Et toi, viens, essaie de m'abattre la fille de Guan Yu ici. Hein. Vos paroles ne me décourageront pas. Alors, ils sont où, eux? Les protecteurs, allez là, allez là, allez taper la fille Guan Yanping, là, machin chouette. Et là, on va faire un beau culbuto. On va taper elle aussi en duel, comme ça. Là, on peut tellement mettre cher avec les, aux archers, là, d'un coup. Allez, évasion mêlée pour l'impératrice. Reculez, reculez. Oh la vache, on tient, hein, mais difficilement, mais on tient. Là, je vais venir aider en support. Là, vous allez venir dans le dos ici, suppléer. Vous êtes mal si vous faites, vous restez là. Allez, vas-y, abat-le, tu y es presque. Toi, viens là. Toi, viens t'occuper de ce commandant. Oh la vache, là on s'est libéré, ça c'est cool. Vous venez là. La fille de Guan Yu est en train de prendre méga cher. Elle s'est régénérée en prime. Vous venez là. Toi viens là. Là, si on chope la fille Guan Yu, ce serait top, quoi. Écoutez-moi. À l'attaque. Allez, plus que 3. Allez, elle est bientôt cuite, là. C'est bien.
Je vais essayer d'organiser un autre duel là contre elle, la Tsaiwaiwan. On devrait pouvoir s'en sortir logiquement. Vous venez là, vous me tiraillez là. Vous deux, vous redirigez le tir là. C'est chaud, mais ça peut passer. Putain, il y a encore ça qui me tire dessus. Évasion mêlée, let's go. Toi, tu vas me pourchasser. Je crois que la fille de Guanyu, elle a disparu d'un coup. Mon avant-garde est dans le feu. Bon, là, il n'y est plus. Il y était, il n'y est plus. Là, c'est fait. Les lanciers lourds sont en train de clamser. Eh bah putain, c'était pas gagné. Donc toi tu viens me chercher là. Là-bas ils sont un peu trop. Deux arbalétriers reviendront pas. Les milices armées de Dijon s'en fout un peu. Putain, je suis dégoûté pour mon redéploiement là, ça me coûte cher. Bon, c'est bien, l'impératrice va faire le job. Super épique, ah bah ouais. Ils étaient 3 armées, après je sais pas combien ils étaient. Hein. Peut-être que j'ai dit 5000, mais ils étaient à 2005 sur. Je les aurais pas, mais bon. Putain, Victor Lapyrus, tu m'étonnes. On a perdu la moitié de notre armée quand même. Hein. Voilà, ils ont pris cher là. Notre probité l'a emporté. Ils étaient 2300, elle était pas évident à gérer. Non. Non, t'es trop dangereuse. Ouais, t'es trop dangereuse. Ils nous sont inutiles. Tel est le prix de la trahison. L'objectif est fixé. Ils sont nombreux, Loubou. Hein. Je te rappelle qu'il y a la garnison derrière. Hein. Ah putain, sabotage de réserve de nourriture, raid nocturne. Mes trèbles sont en quel état aussi? Bon, ils ont pas pris trop cher, ça va encore. C'est la fête, buvons. Nous avons besoin de braves guerriers. Soyez la lame. À l'attaque! Non, il faut que je les achève aussi à côté. La vertu a gagné en ce jour. Les garder en vie coûterait trop cher. Oh non, on a récupéré ce port. Aux armes. Saopi va y aller. Lui, on va éviter de l'envoyer tout seul au combat comme des fous. On va recruter qui d'autre? On va remettre elle comme ça. Putain. On va la mettre là comme ça. J'espère qu'elle va venir. Putain, ils ont encore ça, cette horreur d'unité. Oh mon dieu. Si j'avance là. Là, je me concentre sur le sud pour être sûr qu'il n'y ait plus de mauvaise surprise dans le dos. L'autorité écrase tous ceux qui veulent la rejeter. Nous devons jeter les bases de la reconstruction. Anshu est détruit, excellent. Elle a les niveaux 5, c'est bien. Donc là, il ne resterait plus qu'à prendre époux et on calmerait les... Ah oui, encore ça, là, j'avais oublié.
que je redéploierai pas. Je vais redéployer une de mes avant-gardes ici, tiens. Un de mes stratèges. On va aller s'emparer aussi de là, comme ça on sera tranquille. Machao, c'est bon. Rien ne nous arrêtera. Dans le nord. Ma lame est prête. On va se mettre là. Toi, tu vas revenir en défense là. Appelez les marchands. Je veux voir leurs offres. Et donc, comme ça, au prochain tour, on va chercher ici. Ouais, c'est vrai que j'ai le fric là. Attends. Je fais juste un truc. Je vais lui mettre la... Vas-y, je lui mets la lame de la fille de Guan Yu. Chiche. Résistant chauchard, je prends. Y a pas un truc vert amélioré, là? Ouais, je sais. Cette île, ça a toujours été une horreur dans le jeu. Y'a pas un truc qui donne de la détermination en plus? Non, y'a rien de plus. Bon, bref, on fera avec. Par contre, toi, je t'ai mis un niveau, tu vas le prendre, oui. Merci. Bon, c'est pas mal, on pousse. Ah, la Shangsha. Des turbans jaunes. Nos plans se réalisent. Relâchez-les. Voilà, excellent. Il faudrait que Sao Pi tombe ici. La prudence bride les élans de l'âme. Nous sommes exténués. Préparez-vous à partir. Non, faut de mes pamparches forcées. On va essayer de la tirer justement. Mon but est précis. Yuan Tan est en train d'organiser un petit baroud d'honneur ici. Une paix mue par le désespoir. Ouais, non. Tu m'as fait assez de dégâts comme ça. D'occuper cet endroit. Ok. Donc là c'est bon. Avancez. On va se revenir ici. Toi tu vas venir là. Et pou, là ça peut tomber si on fait ça. Alors là on va en profiter, on a remis des stratèges. J'ai pas d'infanterie. Hein. Je vais mettre juste des unités à l'âge pour compléter. Toi, deux secondes. Je vais juste te faire en sorte que tu te reconstitues un peu plus. Toi. Est-ce que je fais le risque d'envoyer une seule armée Ça va être chaud jusqu'à Bohai. Hein. Je vais tenter le coup, j'essaie de me faire une base d'opération du côté d'Enai. Ça pourrait me mettre bien en vrai.
Si j'arrive à faire une base d'opération Wayne, je peux me mettre tellement bien. Ouais, ouais, t'inquiète, Loubou, je l'ai vu, j'ai oublié, je viens de me rendre compte. Une arme exquise, ok. Vers la paix. Et si je veux le faire abdiquer, il voudrait ou pas? Hey, il commence à... Attends. Toi. Si tu abdiques. On pourrait peut-être le faire abdiquer avec un peu de chance. Servez le peuple. Bon. Déjà, toi... Quand la justice triomphe, on festoie. On libère, on en sort. Les détenus. On va se mettre là ici. Époux, on va prendre tout de suite le port. Nos plans se réalisent. Mon règne apportera la prospérité. Là, on a un port de pêche. Toi. Mode standard. La voie est libre. Je vais me mettre en embuscade ici. On va s'emparer de la province là, au moins on sera tranquille. Saopi peut revenir. Non, il ne pourra pas revenir. Et puis il y a une nouvelle armée qui se forme, la capitale provinciale. Ce sera l'armée là qui arrive pour rendre l'île tout de suite. Comme ça on sera tranquille. Alors lui il garde la ville. Et toi tu peux aller chercher ou pas? Difficilement. Ok. La ville assiégée par le turban. Elle est là. Je l'avais pas. J'allais la zapper, Lou. Bien vu. Ah putain. Il va réussir à me faire du dégât. Alors attends. Quelle armée la plus proche là? J'ai une idée. Je l'ai déjà fait. Ça m'avait sauvé. Alors ça, c'est l'outilleur. Parce que j'ai un commandant de cavalerie dans le coin. J'aimerais voir mes conseillers. Tu sais quoi, je vais faire un truc. Alors, Yuan Shu, t'es où? Tu vas voir qu'il va clamser au prochain tour. J'aurais dépensé des points dans le vide. Tu le fous niveau 9. Guide vers la sagesse. Pense. Alors, attends, que je me plante pas. Je me suis planté, mais partiellement. Je voulais en fait faire utiliser ce pouvoir pour aller chercher la rébellion. Retenez votre souffle. Mais c'est pas grave, on va revenir.
J'espère qu'ils pourront embêter un peu de Cao Cao par l'Est, ça m'arrangerait comme ça. Chut. Alors, on a quand même One Lonely qui est pas mauvaise au duel. Allez, je vais la tenter même si j'ai pas de tireur, j'ai de la cavalerie. C'est du 1 pour 3 là. Bon, alors déjà, mon infanterie. Les protecteurs ici. Au niveau des déployables, on va mettre des tours. De là, ici, là. De l'huile ici, de l'huile là. Là, j'ai planqué mes cataphractaires. Ah, s'ils peuvent se cacher. Ah, t'exagères, Loubou. Elle a quand même rendu des grands services au royaume. Hein. Et puis, elle est toujours vigoureuse. Hein. Combien de personnes... Qui dit qu'on sera comme ça à son âge? Attention, l'ennemi nous attend. Alors, attention, ici, il y a quoi? Alors 20k pour 20k, je prends. Allez, on va essayer de se faire ces deux-là en duel. Je dois gagner. Allez, ces deux duels, ça va le faire. Attention, l'ennemi nous attend. Nous avons tué un géant ennemi. La générale ennemie a péri. Et de deux. Elle n'était pas de taille. Alors, est-ce qu'elle est à cheval ou elle est à pied? Ouh, le régiment il a pris cher là. Mais où sont canassons d'ailleurs? Ouh, là il a pris cher aussi, il a pas aimé. Je vais aider là comme ça. Hop, on se retire. Ok, il y a du tireur qui se pointe. C'est tout ce dont vous êtes capable. Guerrier, écoutez-moi. Nos troupes ont été repérées. Guerrier, écoutez-moi. Les guerriers ennemis déguerpissent. Eh, Machao même à pied fait du boulot, hein. Alors, qui c'est qui m'attaque? Oula, on a du tireur en masse là, attention. C'est quoi ça? Infanterie armée de Zanjaman, ici, ok. Allez, on va charger là. Oh putain, on va sortir de ce guépier. Et leurs sorbetteries vont nous faire très très mal. Continuez, c'est parfait.
Alors, est-ce que t'es à cheval, toi? Aux ordres. Bah, il est où ton canasson? Préparez-vous. Ah, il est là-bas, bon, ça va. Je vais rester avec Wawani pas loin. Ok, c'est pas mal. L'ennemi s'enfuit. Les lâches. Toi, tu viens là. Et vous? On va essayer de se faire la dernière générale, comme ça on sera tranquille. Reculez, reculez, revenez là, faites-les sortir, faites-les sortir. Toi, viens la taper dans le dos. Oh, il y a des pieux, tu me diras, attention. Allez, venez, venez, venez. Ça, c'est... Ouais, ouais, c'est pas encore fait, hein. Vous, vous allez venir là. Toi, tu viens là. Toi, tu me tentes une charge massive là-dedans. Ok, avec 24 infracteurs, tu vas me faire un petit, une petite contre-charge dans, dans le dos. Allez, c'est fait. Maintenant, on va moissonner au maximum. 35 dragons d'onyx, c'est trop dangereux. 15 bis d'archer, c'est un peu trop dangereux aussi. 16 bis d'archer aussi. Voilà, en vrai, je pense que bah, le sud, là, c'est bientôt fini. Voilà, il n'y a plus un dragon d'onyx qui traîne là, on va les pourrir ici. Les maraudeurs Chiang, ils ont fait le boulot là. Il y a encore tout ça qui se barre, mais je suppose que c'est trop tard. Ah, c'est trop tard. Mais bon. Voilà, on les a eus. Alors, c'est à celle qui est décédée, mince. Mon but est précis. Elle est décédée à 76 ans. Tous mes vidéos, tous mes généraux, ils cannent. J'ai juste affamé en attendant. C'est la fête, buvons. On va l'exécuter. Tel est le prix de la trahison. Ils nous sont inutiles. Parez au combat. Alors si j'ai en marche forcée. Préparez-vous. Dispersez-vous. On va juste affamer pour l'instant. De toute façon, alors, où est-ce qu'on en est? Toi, tu peux aller chercher Époux ou pas? Levez l'an. Bon, bah, on a un tour, on y sera. Ça, c'est bien. Pas de quartier. Chaque victoire stabilise le royaume. Mon règne apportera la prospérité. Donc là on est bien. Là on va voir notre gars, il est rang 6, c'est cool.
On a deux autres level up à faire, on va les faire tout de suite. Alors toi... Hop, et toi t'es une nouvelle générale, t'as ténacité de l'acier pour commencer, ce qui est pas dégueulasse. Je vais te mettre ça. Ça c'est bien. Ça c'est très bien. Expertise je prends. Et un peu plus d'instinct aussi, tiens, ça sera toujours utile. La loi doit régner. Ça on dégage. Alors ça, ça nous va nous faire descendre à moins 12, on va rajouter ça. Voilà. Là je vais pousser un peu, je vais avancer pour essayer d'en finir avec Shishin au sud. Là il reste plus qu'à prendre ça, il reste deux trucs à prendre, Ipu et ça, et Kangu au nord, et là c'est bon, et ensuite on redéploie tout au nord. J'espère que mon armée va y arriver. Je vais rester là, comme ça s'il m'attaque, il y a une deuxième armée qui viendra m'aider. Enai, ça doit être bien gardé quand même. En vrai, on n'est plus très loin de Bohai. Hein. Si je m'empare de la ville de Yuantan, admettons. Je pourrais faire un hold-up à Cao Cao. Alors, le devoir... Voilà, je vais me mettre en route là. Je vais tout de suite rechercher le deuxième coup de redéploiement. Comme ça, on va gagner un gros bonus. Et un 5% de portée de campagne, c'est pas négligeable. Le plus grand pic peut se briser sous la foudre. On bouge. Préservez-vous. Exécution. Pour la Chine. Voilà. L'autorité écrase ceux qui la rejettent. Je ne suis pas impitoyable. Et cette fois, ça y est, on a Yuan Shu niveau 10. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre de bon? Allez. Flèche enflammée. Et expertise. Voilà. L'autorité est rétablie. Il serait prudent d'occuper cet endroit. Épou est tombé, on va mettre une infrastructure militaire ici en plus. Voilà, plus 5, plus 5, ça fait 10. On va y arriver, on y est presque. J'arrêterai quand on aura terminé le sud. Il ne mérite rien de moi. Je ferai. Bon, ça c'est fait. Chut. Je crois que je vais me mettre en marche forcée en route là, j'ai pas le choix. Donc il pousse, c'est bon. Ouais, donc on va aller la péter. Ouais. Je vais être sûr quoi. On y est presque, hein.
Là, on prend. On serait tellement bien si ça. Alors, ça, c'est du foutage de gueule, mais bon, bref. C'est l'IA. Ma lame est prête. À la victoire! Qu'il leur en cuise! Le ciel a récompensé notre fougue. Cette plaisante colonie sera nôtre. Alors, ça, je veux bien. Auxiliaire, je veux bien. Ça, je veux bien aussi. Voilà. Bon. On va redéployer à nouveau nos armées. Cette armée-là n'a plus lieu d'être pour l'instant. On n'a plus de menaces. Là, il reste que cette ici. Ah ouais. Chagnon, j'avais oublié ça. Mon prochain tour, ça va tomber. Là, on va être bon. C'est plus Sushin, c'est Sushin. Bon, ok. Aux armes! Ils ont manqué de stratégie. Nous ne sommes pas des barbares. Ouais, Shang-Chi, c'est bon. Putain, on a toujours le moins 14. Allez. Ouf, ça c'est fait. Cool. Cultivez la passion. Attisez la flamme et frappez. Frappez ensemble. Nos plans se réalisent. La justice exige son dû. Laisse Yuan Shui dedans. On va démolir ça ici. On va récupérer ça là. On va redéployer. Alors, hey, pousser comment dans le public, c'est correct. Hop. Et là aussi, on va redéployer cette force. Exprimez votre volonté et je m'en ferai. Comment puis-je vous servir? Que voulez-vous, Altesse? Nous avons été les plus habiles. Utilisons ceci à bon escient. Nous empruntons des chemins différents. Ok.
Bon. Bah, je voulais la finir ce soir, tant pis, je la finirai la pro. Je pense qu'on peut la finir la prochaine fois ou dans deux streams, je pense. Vu notre situation, il faudra juste se méfier de ça ou de ça ou quoi. Donc, je vais vous laisser là pour ce soir. Bah, merci à toi beaucoup d'être resté jusqu'à 7h tardive. Donc, demain, on fera du Heavy Genius. Donc, enfin, ce soir à 21h, tu m'as compris. Et si tout va bien dimanche, on continuera Free Kingdom. Et peut-être qu'on la terminera dimanche. Ou sinon, le week-end prochain. Quoi qu'il arrive, pour moi, je pense que c'est bon. Voilà. On se dit une bonne soirée, bonne nuit à tous et à demain pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao.